Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier make-up d'inspiration avec Sailor Moon. Donc, j'ai fait une coiffure comme j'ai pu. Je voulais mettre des petits lacets rouges dans mes pompons, mais j'ai pas ici. Alors, les pompons, ils partent un peu en cacahuète, hein. Mais écoutez, tant pis. J'ai quand même passé 1 heure à essayer de faire ces foutus pompons. Et c'est toujours pas top, hein. Donc bah écoutez, donc Sailor Moon, son élément c'est la lune, hein, tout ce qui est de plus logique. Il y a juste qu'avec elle, je vais pas faire le symbole puisque j'ai un bijou que j'ai déjà utilisé une fois pour un make-up de sorcière. Voilà. Et mais on va quand même jongler avec tout ça. Donc je me rapproche. J'ai un strass collé. Logique. Et on attaque. Voilà. Alors, pour Sailor Moon, cette couleur, c'est bleu, blanc et rose très foncé. Donc, je vais utiliser le fard dans la... Ici. C'est la Marvelous Matte, je crois. Oui, c'est ça. Je vais utiliser celui-ci. Et je vais prendre donc une éponge. Donc, c'est celle que je vous ai présentée dans mon haul Shein. Pour... J'ai coupé en deux pour avoir la bonne forme. Donc là, je vais mettre du fard partout sur le demi-rond. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. J'essaie qu'il y en ait une bonne quantité partout pour m'en servir comme sample. Et je vais m'en servir pour faire sur ma paupière, pour faire les ronds qu'elle a normalement sur les couettes, que moi, je n'ai pas réussi à faire. Je pouche. Voilà. On a la base. Je viendrai refaire ça correctement avec du fard et un pinceau. C'est comme ça, je suis sûr de l'arrondi et je suis sûr de la taille. Que ce soit les mêmes. Bon, ici, il est un peu mieux fait. Ici, il redescend un peu trop. Voilà pour ça. Donc maintenant, je prends un pinceau plat et la même teinte et je vais... intensifier quoi, tout simplement. Alors comme j'ai pas de base, c'est pas hyper intense, c'est pas hyper opaque. Alors je vais y aller au doigt. En même temps, c'est des fards que j'utilise pour mettre du mixing et tout ça dedans, donc ils sont un peu cristallisés. Ouais, c'est quand même mieux. Ok pour ça. Ensuite, je prends le Milk de chez Glisten pour faire le blanc qu'elle a autour de sa décolleté tête. Alors, on va essayer de rester arrondi. Ça, c'est autre chose. Là, on est vraiment pas mal. Alors, je vais quand même prendre des petites lunes. Voilà, que je vais coller ici. Aussi chaud, aussi chaud. Oh! J'ai foutu du fard partout. Oh, mais vraiment partout. J'ai fait la cochonnette. Alors, le tinctou. Coller les lulunes. Ok. Alors, je vais prendre la palette Pat McGrath que m'a offert Maryse pour Noël. Et je vais prendre le doré qui est juste ici, puisque c'est un beau doré bien jaune, et je vais tamponner ma forme comme on a fait pour le reste jusqu'à maintenant pour les symboles. Donc je dégrade le tour. Je vais le redescendre un peu. Mon highlighter. Donc je dégrade bien ici en haut de la tempe et on enlève les petites lunes que j'ai un peu trop bien collées. Ah, on n'arrive pas à l'enlever. Ouch. Effectivement, j'ai un peu trop bien collé.
Je m'arrache la peau. Voilà, donc je vais repasser la forme au liner noir quand même, hein, sinon on ne les voit pas bien là. Ça, je pense que c'était un camion, une moto. Je vais juste essuyer mon pinceau et prendre mon highlighter Nabla d'abord. Crown. Pour mettre par-dessus partout. Je prends mon liner NYX. Alors attendez, je le chope. On se couille. Et je vais donc refaire ma forme de lune. Oh, ce liner est magique. Voilà, elle ressort un peu plus quand même. Ah, hein. Oh, j'ai oublié d'allumer ma guirlande. Attendez. C'est mieux. Donc, je collerai des strass. Après, je mettrai les jaunes ici de chez Shein. Il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Alors, j'ai découpé des formes dans du papier. Au départ, je voulais les faire en tulle, mais je trouve plus mon tulle blanc. Donc, voilà. Vous savez, elle a deux petites plumettes, là. Alors, je sais pas si je les mets ici. Ou non, je vais les mettre ici, en dessous. Elle les a pas en dessous. Elle les a dans les cheveux. Donc, je mets juste sur la bande du dessus, parce que je veux qu'il soit... pas collé entièrement. Donc je commence par le plus gros. J'ai fait trois tailles différentes en fait. Le moyen et le tout petit petit. Bon, ça c'est dans Sailor Moon S qu'elle a ces trucs là dans les cheveux. Voilà. Et au-dessus de chacun, je vais coller une perle. Donc, je vais mettre à chaque fois aussi une taille différente. Donc là, je vais les... Il est chiant, chien. Hein, j'ai la porte ouverte puisque je suis toute seule. Donc, il est extrêmement chiant. Donc, je mets la plus grosse perle sur la plus grosse feuille. Oh, j'ai perdu ma perle. Non, elle s'est collée à mon pyjama. Puis on finit avec le plus petit. Elles sont sauvages, hein, ces perles. Je mettrais bien quelques perles ici quand même. Quoi que je préférerais peut-être en coller quelques-unes ici autour avec quelques strass autour de la lune aussi. Ouais, on va faire ça. Donc j'utilisais du haut, hein, quand je dois coller plusieurs trucs, c'est plus facile d'utiliser ça que... C'est ce qui s'appelle se battre avec ses perles. Bon, voilà, je vais mettre que trois grosses perles comme ça et je mettrai des petits strass. Je vais quand même en mettre une plus petite ici en coin interne. Après tout, c'est quand même une reine hein, de base. Enfin, une princesse et puis après une reine. Voilà pour les perles. Ouais, ben les strass, je les collerai à part. En muqueuse, je vais mettre du doré, donc je vais prendre le essence. Et sur les lèvres, je vais mettre le Mother de KVD. C'est exactement le même rose que mon fard. Et en plus, je pense que c'est exactement le même rose que son nœud. Ouais, c'est le nœud qui est rose. Donc voilà, je fais tout ça et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et donc voilà la dernière vidéo avec Sailor Moon. J'aime beaucoup. Voilà, c'est bien ce que j'avais en tête. Je pense que la lune ressort bien. Et voilà, je voulais absolument, puisque je l'ai autant l'utiliser, n'est-ce pas? Et comme elle est aussi également une princesse, slash reine, slash. Elle est tout en fait, hein, Sailor Moon. Donc voilà, ça. Ça mixe un peu toutes les saisons, je pense. Je sais faire. Voilà. Donc, j'espère que cette série vous aura plu. Moi, je me suis éclatée. Elle est tournée, bien évidemment.
J'adore faire ce genre de make-up, donc ce genre de vidéo, vous le savez. On m'a demandé également la série Winx. Donc là, il n'y a que 4 filles, je crois. 4 ou 5, je sais plus. Je sais plus. Donc ça viendra, bon, un peu plus tard, hein, parce que je ne vais pas vous gaver avec ce genre de vidéo non-stop. On se refera une semaine spéciale Winx. Je ne sais pas quand, mais on le fera. Et voilà. Je suis assez fière de mon make-up. Donc dites-moi en commentaire lequel des 5 looks vous avez préféré. Moi j'ai beaucoup aimé Mercure et celui-ci d'ailleurs. Voilà. Maintenant je les ai tous aimés, j'ai tous aimé les faire. Et voilà. Mais j'ai hâte de savoir votre préféré et votre seller préféré aussi tout simplement. Et donc voilà ce qui conclut cette vidéo et cette série. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà. Donc on se retrouve demain pour le weekly vlog, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, si je me trompe pas dans mon planning, demain c'est le weekly vlog. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.